finition d'une tapisserie ou d'une tapis de savonnerie. Et puis, il teignait les laines blanches, oui, le nettoyage aussi. Oui, et parce que les manœuvres. Le monsieur de Zemberg venait, et puis s'il avait besoin de laine qui était teinte pour Paris, il emmenait les écheveaux aux teintes tout près. Pour travailler là-bas à Paris. Sécher les échevaux. Il faisait sécher. Avant la bobine, on faisait plutôt la moche. Oui. Souviens-toi de Marie Pangou, quand elle faisait les moches, elle les tournait. Avec un bâton, on mettait ça dans un casier, selon les couleurs, les cabayeux. Voilà, tout était rangé, tous les rouges, tous les bleus. Ce qu'on faisait, c'est que quand c'était fini, le tapis, on le chamait. Que maintenant, ça n'existe plus. On le chamait pour que la chaîne ne parte pas, quoi, quand vous l'aviez coupé avec les ciseaux. Maintenant, il colle. Oui, vous levez les yeux au ciel. Ah, ça, j'en revenais pas, moi. Ça fait pas partie du métier, en fait. Ça fait plus partie, et puis ça fait une employée en moins, parce que une couseuse, ça faisait une couseuse, qui était là. Maintenant, ça n'existe plus. Moi, je dirais que ça ne fait pas partie du tout du métier. Du métier, c'est pas ça, la tapisserie, c'est pas ça. Une tombée de métier, on chame, on fait l'ourlet, on fait les relais à l'envers, et la voilà terminée, on pose un bolduc, voilà, pour nous, ça ne fait pas partie de... Effectivement, c'est certainement un gain de temps, très certainement. Oui, voilà. Mais c'est pas vraiment la tapisserie, désolée. Non. Pas moi, je demande à voir, je n'ai pas vu encore. Non, que j'ai jamais vu ça. Tu l'as vu coller? Non, jamais. Je me demande comment ils peuvent. On coller. Ira voir à la cité quand il y en a une tombée de métier. En principe, ils m'envoient un carton. Donc, on ira voir. On n'a jamais retrouvé une ambiance comme ça quand on a travaillé. Enfin, c'est la même chose. Non, ça n'avait rien à voir, mais. Là, on travaillait vraiment après dans les autres. Enfin. Après, Bretigny est terminé, mais les autres manufactures, c'était au rendement. Ouais, ça s'est fermé, mais assez vite, quoi. C'est dommage, parce que c'était une maison formidable. C'était ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé. Mais on était en famille. Tout le monde se connaissait. Et c'était très bien. Non, on va faire un tour à la terrasse. On va faire un tour à la terrasse.